On m'a accroché au cou de Libertad pour son anniversaire. À ce moment-là, elle était heureuse. Mais le départ de son père pour la guerre l'a rendu très triste. Elle a dû partir de son pays à cause des conditions dramatiques de l'époque. À ce moment-là, j'ai senti les palpitations de son cœur de plus en plus fortes. En arrivant en France, un chauffeur nous a pris et nous a amenés dans une ville appelée Montceau-les-Mines. Libertad a rencontré un groupe de résistants. Elle a passé plus de temps avec l'un d'entre eux, dont elle est tombée amoureuse. Un jour, Libertad a donné des informations aux résistants. Les Allemands ont fini par lui tendre une embuscade. Un nazi a tiré une balle sur Libertad, et c'est grâce à son médaillon qu'elle est toujours en vie. Grâce à lui, la balle ne lui a pas touché le cœur. Ce jour-là, j'ai vraiment été très fier d'être le médaillon de Libertad, et j'ai vraiment été content de lui sauver la vie.